On a des gants, des masques, j'ai prévu des spectros bleus, ça pour faire des outlines, une petite noire en plus, du blanc. Graffiti, ça a toujours été un vrai défouloir anti-système, quoi. Ça allait avec le fait de ne pas souvent aller voter, qu'on me demande de voter pour des crevards, que je vais à la finale plus enrichir que eux vont m'enrichir. Heureusement qu'il y a encore des gens qui disent « Mais regardez, arrêtez d'être abrutis par votre malbouffe et votre mal télé, quoi. » Concrètement, moi, mon travail, il consiste à vendre, acheter, échanger des jeux vidéo. Je le fais moins par passion, plus par besoin. Et ce qui me permet derrière de financer ma vie de famille, de financer ma vie et forcément indirectement de financer mes besoins et mes passions. Moi je ne subsiste que par la passion, ça a toujours été ça, c'est une forme pour moi d'enrichissement quoi. Donc j'ai vécu des choses, fait de la radio, fait des teufs, vu des gens à 6h du matin crier, me remettre du son, j'ai passé de bons moments et ça continue quoi. Et c'est hyper cool quoi, parce que j'ai pas l'impression de voir le temps passer alors qu'il passe. Début des années 90, plutôt milieu, je dirais même 94, 95, fin des études, je m'achète des platines. Et moi, j'aimais plus particulièrement la jungle. Donc, ça impliquait beaucoup de voyages à Nantes, parce que j'habitais Saint-Nazaire à l'époque. Ce qu'on a réussi à faire évoluer le truc au départ, donc ça a été West Side Players avec l'émission Jungle Down. Ensuite, il a fallu qu'on se fédère un peu plus sérieusement, donc on est devenu Jungle Express. On a fait venir des connexions qu'on avait d'anglais. Et jusqu'à il y a encore ces dernières années, j'ai évolué aussi dans la UK Garage, que c'est pour moi ce qui, dans le son électronique, représente vraiment ma vibe. J'ai environ, je sais plus combien, peut-être 4-510 de jungle, ce que j'en ai beaucoup plus acheté, mais j'en ai beaucoup revendu, parce que c'est comme tout, c'est comme les chaussures, on garde jamais tout ce qu'on achète, faut faire tourner, quoi. La course, elle fait à peu près 12 km. Je vous ai pas oublié en termes de pente, de descente, etc. Donc, vous inquiétez pas, vous allez en chier, il n'y a pas de souci. Ça passe par différents endroits, aussi bien un peu à l'extérieur qu'à l'intérieur de Nantes. Donc, vous allez devoir passer par le centre-ville. Donc, automatiquement, devant des trams et des bus. Donc, j'invite ceux qui ne sont pas nantais à faire ultra gaffe aux trams. Ils ont la priorité. Et c'est pas le cadre ou les cadeaux qui sont en jeu qui valent votre vélo ou votre vie sur un tram. 3, 2, 1, go, 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 go! Allez, allez! Que le meilleur gagne, faites-vous plaisir! Yo! Allez, allez, plus vite! Mon premier vélo, j'ai dû le chiner. Et comme mon père me l'a acheté d'ailleurs, j'ai tellement fait chier qu'il avait acheté un vélo trop grand. Et j'étais sur la selle. Il me manquait, parce que j'étais petit, j'ai grandi tardivement, et il me manquait 5-6 cm pour atteindre les pédales, c'était génial. Déjà, gamin, j'étais sélectif, c'est-à-dire que je voulais pas le bicross de merde de Auchan, moi je voulais le GT Pro Performer, parce que c'était le vélo qui, à mes yeux, était le vélo par excellence en termes de qualité, quoi. Le pignon fixe, c'est une roue avec un pignon qui est fixé, c'est-à-dire qui n'a pas de roulement à billes. Ces vélos-là sont issus de la piste, donc n'ont aucun système de braquage ou de freinage. C'est des vélos qui permettent justement de mieux se faufiler dans des milieux urbains. C'est des vélos énormément utilisés chez les messengers, chez les coursiers à New York. Il y en a plein qui roulent en fixe, qui ne sont pas spécialement mécanos, ils se font monter leur vélo, il est tout prêt, ils roulent avec, quoi. Après, moi, j'ai pas cette démarche-là, moi. Je préfère justement comprendre la mécanique, ce qui est bien justement dans... En fait, de fouiner des pièces, c'est d'améliorer peu à peu ses montages en fonction de ses goûts, de ses couleurs et des pièces qu'on veut bien mettre dessus et comme donner comme importance quoi, en fonction des marques qu'on préfère. Quoi. Mes passions, elles ont toujours débordé un petit peu sur ma vie de famille, c'est évident. Hein. Wouh Wouh Y'a ma Yeah Allez, vos feuilles de route, vite, vite, vite! Oh, je suis mort! J'aime bien un slogan qui est d'un autre club de Fixie d'ailleurs, où ils disent comme ça, c'est « Live fast, die old ». J'adore
J'adore ce truc. Pour moi, ça, c'est marrant, c'est exactement ce que je pense, quoi. Live fast, die old, tout simplement.